tout est parti d'une marche personnelle que j'ai faite, qui est une marche à travers les Alpes, ce qu'on appelle le GR5, qui part du lac Léman et qui va jusqu'à Nice, donc la traversée des Alpes. Donc j'ai fait ce chemin en 2009, en septembre 2009, et puis j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de ce chemin à partir de mon expérience du chemin, donc de rajouter la strate historique à celle du marcheur. Et à partir de là, j'en ai fait un livre d'une part, et puis d'autre part, j'ai voulu raconter cette histoire de la marche à la radio. Je trouvais que c'était quelque chose qui se prêtait très bien à un récit, comme ça. Disons, toutes les manières de marcher. Arriver à raconter toutes les manières de marcher. Alors, je pense justement qu'il n'y a pas de modèle type de la marche. On peut marcher de manière absolument différente. Chacun, de toute façon, la marche, c'est presque aussi intime et personnel qu'une empreinte digitale. Chacun a une démarche particulière. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des grands types de marche, effectivement. Et donc, le livre, l'histoire de la marche, essaye un petit peu de les cerner, un peu de préciser un peu comment on a marché. Parce qu'il y a des marches qui ont disparu. Il y en a qui sont toujours présentes. Par exemple, c'est sûr que les métiers marcheurs, surtout, ont beaucoup disparu. Les compagnons, les colporteurs, les contrebandiers, tout ça c'est quelque chose qui a disparu. Les pèlerins à un moment ont disparu puis ils sont revenus, il y a une sorte de revival de la marche pèlerine, par exemple au pèlerinage de Compostelle, de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a de nouveau plusieurs centaines de milliers de personnes tous les ans qui vont à Compostelle en marchant. Donc voilà, il y a des marches qui ont existé, d'autres qui reviennent, et puis il y a des marches qui se sont créées à certains moments de l'histoire, notamment par exemple la randonnée. La randonnée est née au début du XXe siècle, elle s'est affranchie de l'alpinisme à travers toute une série d'associations de marcheurs, de pionniers de la marche qui ont d'abord créé des groupes de campeurs-marcheurs et puis qui, à un moment, se sont mis à créer des chemins. Et donc ces chemins, on marche toujours aujourd'hui dessus et de plus en plus. Par exemple, ce qu'on appelle les GR, les chemins de grande randonnée, les sentiers de grande randonnée, il y a aujourd'hui, on estime, entre 10 et 12 millions de Français qui marchent sur ces chemins de temps en temps ou très régulièrement. C'est un peu ça l'histoire de la marche. C'est quelque chose qui est à la fois une sorte de donnée universelle. Tout le monde marche. Je dirais presque que c'est même une définition de l'être humain. Le bipède, à un moment, il s'est mis debout et il commence à marcher. Donc ça d'ailleurs, j'essaye de le raconter. Comment est-ce qu'à un moment, il y a eu le passage à la station debout et la mise en marche de l'homme et de l'humanité. Chaque être humain aussi, quand il est enfant, vers un an, on commence aussi à apprendre ce qui est très très compliqué. C'est une démarche très complexe. Il se met à marcher. Donc c'est à la fois un universel et en même temps, il y a des manières de marcher extrêmement différentes qui, à certains moments, vont s'inventer. Autre exemple d'une invention d'une marche, c'est la manifestation, par exemple, à la fin du 19e siècle. Les ouvriers se sont mis à revendiquer à travers la marche, à mettre en action leur corps, comme ça, dans une sorte de dénuement. Ils n'avaient rien, ils ne possédaient rien, mais cette mise à nu en elle-même pouvait passer par la marche, parce que la marche, c'est effectivement quelque chose qui ne demande rien. Voilà. Et donc, avec la marche, à la fois, on ne demande rien et puis on demande tout. On peut, comme ça, tout d'un coup, revendiquer des meilleures conditions, protester. Mais ce qui est beau avec la marche, c'est que c'est quelque chose de pacifique. Voilà. Et donc, c'est la force de la marche comme revendication. Les grandes marches, ensuite, celle de Gandhi, celle de Martin Luther King ou la marche des Beurs en 80, ce sont des marches pacifiques et qui ont réussi à imposer comme ça des revendications à travers une sorte de manifeste pédestre, on va dire.